Ça a l'air délicieux tout ça. Tout ça pour moi toute seule? Ah non! Ah, tiens donc! Il y avait des petits coquins qui étaient cachés. Coucou les garçons! Bonjour tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? Très bien! Oh super! Qu'est-ce que c'est tout ça devant vous? Des Pringles! Est-ce qu'on les mange simplement comme ça ou est-ce qu'on corse un petit peu la difficulté? On corse un petit peu la difficulté! Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire mon challenge! On va faire un challenge de Pringles pour les gourmands. Vous êtes prêts? Oui! Allez, c'est parti! Le principe de ce challenge, je vais prendre toutes les boîtes de Pringles et de Pringles de mon côté et je vais présenter à Swan et à Néo un Pringles chacun. Alors différents, ils en auront chacun et ils auront les yeux bandés. Et ils devront retrouver le goût du Pringles. Et on comptera les points, bien sûr. Hein. À chaque fois qu'on retrouve un goût, on marque un point. Et le gagnant, c'est lequel? C'est celui qui retrouve le goût. Voilà, c'est celui qui aura trouvé le plus de goût. C'est très bien. Allez, vous êtes prêts? On va vous bander les yeux. Alors, pour que les copains puissent comprendre le jeu en même temps, on montre les différents parfums. Alors, le premier, c'est classique paprika. Le deuxième, c'est crème et oignon. Ensuite, on a l'original, voilà, le classique. On a aussi le hot and spicy, c'est-à-dire épicé, très épicé même. Alors celui-ci, je ne le ferai pas goûter à Swan. Hein. Voilà, Swan y goûtera un autre parfum, un autre arôme. Là, c'est Texas barbecue sauce. Oui, tu vois rien, c'est normal Swan, c'est le but du jeu. Voilà. Là, c'est emmental, on va dire fromage pour Swan, hein. Ça sera plus simple. Et alors là, ce n'est pas la marque Pringles, mais les goûts nous ont paru super sympas et malheureusement, ils n'existaient pas dans la gamme Pringles. Donc là, on a cheeseburger, on a aussi hot dog, miam miam. Ça va, ça va te faire hot dog. Et pour finir, on a goût kebab. Les garçons, est-ce que vous voyez quelque chose? Rien. Non, rien. Rien du tout. C'est parti, on va pouvoir jouer. Nos deux héros sont masqués. On commence la dégustation. Donc, je dépose un Pringles dans l'assiette de chaque garçon. Voilà. Et je dépose à côté du garçon en question le goût du Pringles. C'est-à-dire que les copains vont savoir exactement ce qu'il y a dans l'assiette. Mais pas les garçons. Néo, ça y est, tu es servi. Swan est servi également, voilà. Alors c'est bon les garçons, vous pouvez commencer la dégustation. Chacun prend son Pringles. Il va essayer de retrouver le goût. Non, j'ai retrouvé. Moi aussi. Oignon. Oignon, crème oignon pour Néo. Oui, c'est une bonne réponse. Ouais, je savais jamais le goût. Bravo, bravo Néo. Moi c'est original. Oui, c'est vrai. Bravo, Swan. Bravo, Swan, tu as raison. C'est bien ça. Donc, pour l'instant, c'est un sans faute. Les garçons ont reconnu les deux premiers parfums. Allez-y, vous pouvez goûter. Alors, Néo oui. Et mon pomme. Oui, c'est bien. Bravo. Moi, on dirait fromage. Ah non, c'est pas fromage. Essaye encore. Je ne sais pas. Alors, essaye encore. Est-ce que tu retrouves le goût? Non. Pas du tout? Bon, alors la mauvaise réponse pour Swan, c'était crème et oignon pour Swan. Et non, Swan n'a pas retrouvé. Dommage, dommage. Allez, on change. Allez, troisième essai. Allez-y, les garçons, vous pouvez goûter. Moi, peut-être qu'en fromage. Oui, bravo Swan, c'est émental. Apparemment, celui-ci se reconnaît facilement. Néo? Hot oui. Spicy. Oui, voilà. Hot et spicy. Bravo Néo. Je sens le piment là, c'est... C'est fort? Ouais, c'est très fort. Ah, bravo, bravo, bravo. Hein, sans faute pour ouais. Ce tour-là. C'est très bien les garçons. Allez, on continue. Alors... Peut-être hot dog? Hot dog, non, c'est pas hot dog. Cherche encore. Burger. Non, c'est pas un burger non plus. C'est quoi ça? Je crois savoir. Alors? Original. Oui, bravo ouais. Néo, bravo Néo, le roi des Pringles. Vu que je pensais que celui-là n'avait pas trop de goût, c'est ça. D'autres, bah voilà. C'est ça, c'est bien l'original. Et toi, Swan?
Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, chérie, c'est pas grave. C'est pas grave. Toi, tu avais paprika. C'est pas grave. Tu te régales quand même, c'est ce qui compte. Oui. Allez, on continue. Allez, c'est parti. Vous pouvez déguster. Non, toujours pas. Kebab. Oui, bravo. Super. Bravo. Et toi, Swan, alors essaye autre chose. Une autre réponse, Swan. Mais je sais pas. Oh, c'est pas grave, mon cœur. Est-ce que c'est bon au moins? Oui. Oui, c'est bon. Moi, je suis bien content. Je pensais que c'était entre burger et kebab. Eh ben, c'est kebab. Bravo. Bravo. Super. Alors, Swan, toi, tu avais Texas barbecue sauce. C'est la sauce barbecue. C'est pas grave, mon cœur. C'est pas grave. Allez, on continue. Pardon? Hot dog pour Swan. Oui, bravo. Bonne réponse. Bonne réponse. Tu l'attendais, ce hot dog. Hein? Il est enfin là. Léo? Cheeseburger? Non. Ah. Essaye encore. Hot dog? Non, c'est pas hot dog. Dernier essai. On va pas faire toutes les boîtes en revue non plus. Donc, dernier essai. Alors là. Tu donnes ta langue au chat? Ouais. Ah voilà. Néo déclare forfait sur celui-ci. Et c'était paprika. Ah bon? Oui. Plus dur celui-là. Allez, on continue. Vous êtes prêts? Oui. Allez, on y va. On continue la dégustation. Un burger. Oui, cheeseburger. Bravo Swan. Une bonne réponse. Mais Swan, il attendait hot dog et cheeseburger depuis le début du challenge, donc il était prêt. Et toi, Néo? Hot dog? Non. Autre réponse? Cheeseburger? Non plus. Allez, troisième et dernière, hein. T'as le droit qu'à trois chances. Texas? Texas? Barbecue? Oui, bravo! Ouais. Bravo, c'est très bien. C'est très bien. On est encore pas à la fin du challenge. Il y a pour l'instant 4 points pour Swan et 6 points pour Néo. Bravo les garçons. Allez, on poursuit. Allez-y. Oh, c'est facile. Burger. Cheeseburger. Oui, bravo, vous avez la même. C'est bien, vous avez trouvé tous les deux. Super. Super, c'est très bien. Allez, il n'y en reste plus qu'une à goûter. Attention. Là, je sais. Attention, et là, c'est très serré, hein, puisque Swan a 5 points, Néo en a 7. Oui, bah même malheureusement, hein, même si Swan devine, Néo est un petit peu devant. Mais quand même, on joue jusqu'au bout. Allez, faut avoir le sens du jeu. On continue. Allez, la dernière chips, Pringles. Alors, est-ce que vous allez trouver, messieurs? Moi, je dirais vraiment hot dog. Non. C'est hot dog. Oui, Néo, c'est bon, c'est bien hot dog pour toi. Bravo, Néo. Et toi, Swan? Alors, vas-y, essaye encore. Je ne sais pas. Tu sais pas? Tu veux pas essayer une autre réponse? Alors? Il mange surtout le Pringles. Alors? Non, t'as pas trouvé? Tu déclares forfait? Bon, un forfait pour Swan, c'était kebab. C'était goût kebab pour Swan. Et voilà, le challenge est terminé. Oui. Vous pouvez enlever vos masques. Vas-y, merci, Swan. Oui. Ah bah oui. Je veux bien te croire. Vraiment pas mal les autres. Et oh, le challenge est fini là. Le goinfre. Les goinfres. Et oh, c'est fini le challenge. Les gourmands. Voilà mon paquet de chips. Oui. Allez, on donne les résultats. Alors,
Swan a découvert 5 parfums. Il a réussi à retrouver 5 parfums. Bravo Swan, c'était bien joué, c'est bien, c'est très bien. Et Néo a retrouvé 8 parfums. Bravo Néo. Bravo, c'est très bien. Néo, tu as retrouvé 8 parfums sur 9, donc vraiment super, hein. Il y a juste le paprika qui t'a donné un petit peu de fil à retordre, mais bravo, hein, vraiment, Néo, le champion des Pringles, voilà, champion des gourmands aussi, mais ça c'est autre chose. Alors les garçons, quel est le Pringles que vous avez préféré? Oignon. Moi j'ai préféré hot dog. Ah, voilà, Sonny l'attendait. Oignon et hot dog, chacun sa boîte. Oh. D'accord. Et comment vous l'avez trouvé ce challenge? Il était super! Et toi Swan? Mais j'ai comme un super! Ah! Bon bah tant mieux, tant mieux! Vous voulez qu'on refasse des challenges comme ça? Oui! Bon, on en refera sur d'autres thèmes, c'est vrai que les challenges c'est super sympa! La vidéo du challenge Pringles est terminée! On se revoit bientôt! Pour d'autres défis!